Putain, Maya, tu me dégoûtes. Mais comment t'as pu te taper Punchy? Il est roux, il pue! Ah, je sais pas, il m'a dit des trucs trop jolis l'autre jour sur la terrasse et ça m'a fait craquer. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça peut lui foutre au vieux débril? J'en ai à foutre que ça me fait chier de me faire coquifier par un chat de gouttière. Oui, parce que toi, t'es le chat de Lady, peut-être. Je suis un persan, moi, monsieur. Trois quarts, Calvin, trois quarts, mollo quand même. Je sais que c'est comme ça que tu m'as pécho, mais je l'ai su après. Ha ! Trois quarts ! Et c'est quoi le quart qui manque ? C'est les dents et les poils qu'il y a dans la rue du Général de Gaulle, non ? Bravo, Maya. N'empêche que si moi, je peux me faire écraser, c'est parce que j'ai le droit de sortir. Ouais, bah, vu dans l'état que tu rentres, je préfère encore rester à la maison. Et bah, puisque t'es si bien chez toi, t'as qu'à te taper Shadow, et tu me laisses, Maya. Shadow ? La foraine qui a pas de culotte et qui habite la tourneur ? C'est pas une foraine, c'est une chatte de la DAS. C'est pas de sa faute. Ouais, bah n'empêche qu'elle est tarée, et en plus, elle fait de la 4-6-vie. 4-vie-6, autant pour moi. Et bah alors, c'est mieux quand il n'y a pas de poêle. Bah tu m'appelles comme tu veux, hein, moi je suis de l'ancienne école. Hein, moi j'aime bien le poêle, il m'en faut. Bon les gars, je vous préviens, hein, si vous êtes jaloux comme ça, moi je vais voir Maverick. Hein. Maverick, l'autre gros tas de Saint-Loup là, il va te péter les reins, ma pauvre. Super blague, Calvin. Merci, dès que ça concerne les rouquins, je me lâche. Tu sais vraiment pas t'arrêter, toi, hein. Bon, les gars, taisez-vous, j'essaie de suivre mon film, là. Mais ton film, c'est le chat du rabbin, on l'a déjà vu 20 fois, et c'est chiant à mourir, en plus. Bah, justement, elle essaie de te mettre dans l'ambiance. T'es plus tout jeune, mon vieux. Mais fermez-la, tous les deux.